S'arrêtera doucement, Kosache Hiroj, Usuma, Richard Naha. Le drapeau ukrainien est composé de deux bandes, une en haut, une en bas. La bleue est en haut, la jaune est en bas. Et ces deux bandes représentent seulement ça. Ouais, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Vous pouvez voir sur internet les définitions du drapeau ukrainien et vous verrez. Bon, allez, maintenant, étape 2, la géographie. L'Ukraine se trouve à l'est de l'Europe, au nord de la mer Noire, qui touche 7 autres pays. La capitale est Kiev, qui se situe au nord du pays. Sinon, à part la capitale Kiev, on a plusieurs grandes villes comme Lviv, Odessa, Donetsk, Mariupol, Poltava, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv, Kryvyi et également Dnipropetrovsk. La population actuelle du pays est de 43 557 920. On va maintenant parler de leur culture en commençant par la nourriture. Il y a plusieurs nourritures ukrainiennes traditionnelles comme Vareniki, Dereni, Salo, Sereniki, Lansniki, Krucheniki, Banus et aussi le Kutia. Si vous regardez l'écriture des Ukrainiens, c'est l'écriture cyrillique, le type russe. Mais attention, ne confondez surtout pas les Ukrainiens avec les Russes, sinon ils vont être très fâchés contre vous. Je vais aussi faire quelque chose de spécial pour cet épisode, je vais vous apprendre plusieurs mots en ukrainien. C'est parti. Allo, jak sprawi? Pospishaj, чудова robota, ty na kraschi, na dobranich, pobacimo zavtra, samozvanec. Haha, bud obereżni, ja samozvanec. Oh, c'était vraiment dur. Et j'ai pensé qu'Among Us est le jeu préféré de certains de mes abonnés, donc j'ai décidé de dire les imposteurs en ukrainien. Et les cultures en tant que les personnes, ce que les personnes font traditionnellement en Ukraine, c'est par exemple les femmes qui s'habillent et qui font des danses. Je trouve ça excellent. Donc en conclusion, l'Ukraine est un pays qui est allié avec plusieurs des pays au monde, mais qui est un véritable ennemi avec les Russes. En même temps, c'est un peu normal. Allez voir la chaîne de Balkan Mapping, vous verrez si c'est un mensonge ou pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez la vidéo. L'Italie sera dans le prochain épisode, grâce à Frankie. C'était Adolphe Domina, tchuss le pardo.